Donc, moi, c'est Marilyn Pomara. Ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis à l'IFC Saint-Étienne. J'enseigne sur les BTS, MUC et MCO, également sur les Bac plus 3, nos bachelors MKV, et notamment dans les matières professionnelles, là où ils sont en alternance pour la majorité d'entre eux, et aussi tout ce qui est marketing et management pour les Bac plus 3. Il y a un temps d'adaptation aussi bien pour les jeunes que pour nous, hein, les formateurs. C'est pas totalement la même façon d'enseigner, je dirais déjà à distance, entre quand on a des groupes de 12-13 et des groupes de 25. Pour ma part, j'ai été formée la semaine avant la mise en place donc de la plateforme en ligne. Certains de mes collègues avaient été formés pendant le mois de juillet dernier. Donc, ça a été la panique totale pour ma part. Hein. On a une formation, on était une vingtaine de personnes. Ensuite, il y a notre directrice, donc Catherine Clauzon, qui un dimanche matin nous a dit, pour ceux qui veulent bien, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble un essai pour voir comment gérer? Et heureusement qu'elle l'a fait, ça nous a bien aidé. Et puis au final, ça se passe super bien, donc voilà. Alors, sur la plateforme, moi, je dépose mes cours dessus, les exercices également. Même les jeunes peuvent déposer aussi leur dossier professionnel. J'ai même deux ordinateurs. On croirait que je suis un petit peu à la bourse de New York. Je vous dis pas, je navigue un peu entre les deux ordinateurs. Hop, la plateforme Adobe et hop là. Ma part, j'ai eu un énorme travail en amont où j'ai dû refaire complètement mes cours parce que je suis sur des matières où il y a beaucoup d'échanges en classe. Alors pour moi, en tout cas, ce qui a changé, c'est que j'ai pris du temps à refaire mes cours, mais toujours dans le côté fun, un peu ludique. Les cours sont beaucoup plus rapides. Et les MKV, pareil, quand je fais par exemple un cours sur le marketing tribal, eh ben, il n'y a pas d'échange comme on pourrait le faire en classe en face à face. Pour les matières professionnelles, c'est ce qui me peine peut-être le plus. Ah bah c'est indéniable, ça c'est indéniable. Déjà c'est ne pas perdre le lien avec les jeunes. Notre force à l'IFC à Saint-Étienne en tout cas, et les autres certainement aussi, hein, c'est le relationnel qu'on a avec les jeunes. Toujours dans le respect par contre. On a ce côté assez proximité avec les jeunes. Moi je suis sur 3 établissements différents. Un qui est en contrat avec l'éducation nationale et on n'a même pas ça. Hein. Oui, même plus je dirais. Peut-être parce que je ne les vois pas aussi en vidéo. Peut-être qu'ils sont en train de regarder leur téléphone portable. Et quoi qu'il en soit, ils sont tous présents et à 9h moins de quart pétant. Enfin, ils jouent le jeu et je trouve ça génial. Je veux revenir à l'école, vous voir en vrai et vous disputer s'il faut vous disputer.